commence bien. Hey, 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 salut à tous. Et bonne année, ça y est, c'est la première vidéo de l'année, alors bonne année. Normal, hein. Bonne santé surtout, pas comme moi, hein. J'ai chopé la crève. Bon, ça, je vais pas me plaindre, je suis jamais malade. À part des rhumes que je collectionne tout au long de l'année, mais sinon je ne suis jamais malade. Donc c'est pas grave, c'est qu'un rhume, c'est rien de méchant. Même si ça m'empêche de dormir. Je veux pas commencer la nouvelle année comme ça quand même, merde. Alors désolée pour ma voix de canard, je ne sais même pas comment on pourrait appeler ça. Désolée aussi de renifler, c'est pas très élégant. Donc vu que c'est la première vidéo de la nouvelle année, et bah bonne année, hein, je vous le redis, hein, on ne le dira jamais assez. Je vous souhaite tout plein de bonheur pour cette nouvelle année, plein d'argent parce qu'il y en a qui n'ont que ce mot-là à la bouche, hein. La santé, parce que je sais que bon nombre d'entre vous, je connais beaucoup de monde sur YouTube qui ont pas mal de problèmes de santé, donc j'espère que cette année, tout va s'améliorer pour vous. Je vous souhaite tout plein de joie, de bonheur, d'amour. Enfin, je vous souhaite tout simplement mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2018. En espérant qu'elle soit beaucoup mieux que celle de 2017, hein. Que ce soit dans la vraie vie ou même moi ici sur YouTube, il m'est arrivé plein de malheurs sur YouTube. Je vais essayer de me souvenir avec vous de l'année 2017 qui n'a pas été très joyeuse pour moi. Enfin, je parle sur YouTube hein, parce que dans la vie personnelle tout va très bien. Mais sur YouTube, je sais que j'ai eu pas mal d'emmerdes. Notamment à un moment donné où on a supprimé plus de la moitié de mes vidéos. Ça c'était super parce qu'il faut savoir que pour supprimer des vidéos sur YouTube, c'est pas très bien, c'est pas bien compliqué. Il suffit d'être une dizaine de personnes à signaler la vidéo et puis pouf, YouTube te supprime. Parce que YouTube va pas se faire chier à regarder la vidéo si elle a un problème ou quoi que ce soit, non, avec toutes les demandes qu'ils ont. Bon, s'il y a une dizaine de personnes qui a signalé, c'est qu'il faut supprimer. Et voilà, et basta. Et du coup, bah voilà, j'ai une cinquantaine de vidéos qui ont été supprimées. Pas mal de tutos, enfin, il y a eu de tout et n'importe quoi en fait. Quel est l'intérêt? Parce que moi je suis une petite chaîne YouTube quoi, comparée à personne, parce que je sais très bien qui a supprimé mes vidéos. Hein. C'est des personnes qui ont plusieurs comptes, forcément. Elles sont 3 ou 4 et elles ont chacune 2 ou voire 3 comptes YouTube. C'est facile à supprimer des vidéos. Mais ces personnes-là ne l'assument pas. Bien sûr que non. Ça serait trop facile sinon. Enfin bref, on va pas revenir sur ce sujet-là. Pour moi c'est du passé, maintenant je m'en fous royal. Ce que je comprendrais toujours pas, c'est que je suis qu'une petite chaîne YouTube quoi, j'ai quasiment pas de vues et on vient de faire chier quand même quoi. Non mais allô, s'il te plaît quoi. Et c'est ces mêmes personnes là qui m'ont fait chier aussi à un moment donné, qui m'ont fait une putain de réputation de je ne sais quoi là. Le monde de YouTube c'est vraiment des vipères quoi, c'est de la saloperie pure et simple. C'est de la méchanceté gratuite, c'est de la gaminerie, c'est putain waouh. Alors sur le coup, forcément, ça te fait chier, hein, mais bon, maintenant j'ai réussi à passer le cap, ça me passe au-dessus de la tête, c'est des grosses gamines que je laisse loin derrière moi, et c'est très bien comme ça, là je m'en porte bien mieux. Si on veut parler de choses un peu plus joyeuses quand même, je voudrais tout simplement vous remercier d'être là, d'être toujours là, d'être là depuis le début pour certains d'entre vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous montrer, bande de petits cachotiers, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent depuis très longtemps, mais qui ne me mettent jamais de commentaires, mais qui sont toujours là. Donc, même si vous ne laissez pas de commentaires, et ben je sais que vous êtes là, et ça me fait chaud au cœur, alors merci infiniment. Mais là, juste pour cette vidéo, juste là, dites-moi qui est là depuis le début. Je veux savoir, s'il vous plaît, parce que je vous connais pas tous, alors... Je suis quelqu'un de très familière, j'aime bien connaître les gens. Surtout que vous connaissez beaucoup de choses sur moi, mais j'aimerais bien connaître un petit peu de choses sur vous quand même. Ce serait cool, hein. Alors merci vraiment beaucoup d'être là, d'être toujours là, d'être toujours si gentil, de toujours me réconforter quand j'ai des petits coups de... Ça fait vraiment chaud au cœur, alors merci infiniment. C'est... Je suis pas douée pour les discours, hein. Je sais que sur YouTube, il y a des gens qui sont très malhonnêtes, mais aussi des gens qui sont... adorable comme tout, j'ai fait de merveilleuses rencontres grâce à YouTube. Ce ne sont que des rencontres virtuelles malheureusement, mais rien que ça déjà c'est vraiment... Je pensais pas en arrivant sur YouTube il y a 3 ans arriver à faire de telles amitiés avec des personnes extraordinaires quoi, c'est vraiment super quoi. Et pour ça YouTube bah, franchement c'est bon côté quand même hein. Il y a des inconvénients mais il y a aussi de très bonnes choses, donc ça c'est super aussi quoi. Je suis pas quelqu'un de très démonstratif hein. J'ai ma fierté en plus. Mais le fait qu'il y ait des gens qui sont vraiment adorables sur YouTube, ça fait vraiment très très chaud au cœur. Même si ce n'est que virtuel, et bah pour moi ça me suffit largement quoi. Donc voilà. Merci.
Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous envoie une petite carte pour la bonne année, n'hésitez pas à me le faire savoir. Venez par message privé, par mail, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram. Maintenant, je suis partout, donc vous pouvez me suivre partout. Et vous me laissez vos coordonnées, je vous enverrai une petite carte sans rien demander en retour. En toute simplicité, hein, parce que je suis pas quelqu'un avec des chichis tout le temps, quoi. Non. En toute simplicité, je vous enverrai mes meilleurs voeux avec une petite carte que j'aurais fait moi-même. Donc, laissez-moi vos coordonnées en message privé, où vous voulez. Dites-le moi quand même avant, parce que sinon, après, je vais être perdue. Mais voilà, je vous enverrai une petite carte avec grand plaisir. Voilà, histoire d'être un peu plus proche de vous. Que ça soit un peu plus réel que virtuel. Voilà. Sinon, par rapport aux bonnes résolutions sur YouTube, mais non, j'ai pas de bonnes résolutions. Hein. Je vais continuer à faire mes vidéos, des vidéos DIY, des vidéos tuto, des vidéos blabla. Je vais suivre le même rythme que d'habitude. Logiquement, j'essaye, parce que là aujourd'hui c'est pas du tout le cas, mais j'essaye plus ou moins de poster les vidéos le vendredi pour que vous ayez le week-end tranquille. Pour ma part, en tout cas. Ouais, moi j'aime bien mettre les vidéos le vendredi parce que le week-end j'aime bien être tranquille, surtout avec des enfants. Moi j'aime bien faire des activités avec eux. Logiquement, là, enfin non, pas là, parce que là on est invité à l'anniversaire d'un ami qui vient d'avoir 60 ans, plus il fête sa retraite en même temps, donc là ce week-end c'est mort. Mais normalement on doit aller à la patinoire. Et ça fait une éternité que je suis pas là à la patinoire. Oh bah c'est facile, la dernière fois c'était avec le lycée. Donc ça remonte à une quinzaine d'années. Oh putain, je vais me ramasser des gamelles à la patinoire, là, je le sens bien, ça. Ça va être drôle à voir. La piscine aussi, j'adore ça, hein, mais depuis que j'ai eu deux enfants, bah forcément, mon corps a eu des séquelles, et vu que je suis très pudique, et en plus de ça, j'ai pas confiance en moi, me foutre à walper devant tout le monde, c'est pas la panique, quoi. Je suis pas grosse, hein, je suis encore svelte, hein. J'ai quand même pris 10 kilos. Mais avant, j'étais squelettique, de chez squelettique, j'avais que la peau sur les os. C'était pas beau à voir. Donc je suis contente d'avoir pris 10 kilos, mais bon, le fait d'avoir des enfants, bah, ça laisse des séquelles quand même. Que ouais, la piscine, non, c'est... Elles y vont avec leur père, mais pas avec moi. Moi, je reste à la maison. C'est con, mais bon, voilà. C'est comme ça, je suis comme ça, puis voilà, je suis très timide, très pudique, très réservée. Et non, ça, je peux pas. Je peux pas. C'est con, hein. Avant, ouais, je le faisais. Puis maintenant, c'est terminé. On s'en fout. Et il faut que j'arrête, moi. J'ai des bouffées de chaleur, le fait de raconter des conneries comme ça. Bon, bref, passons, hein. Au suivant. Après, j'ai aussi des problèmes avec mon ordinateur. Je sais pas si vous vous souvenez aussi de cet épisode-là où mon ordinateur m'a lâché et puis bah forcément le disque dur a cramé et j'ai tout perdu aussi à l'intérieur. Toutes les vidéos que j'avais prévues pour vous, mais aussi personnellement, j'avais toutes les photos de mes bébés, de mes filles quand elles étaient toutes petites, des vidéos quand elles étaient toutes petites, quand elles ont fait leur premier pas. Tout ça, j'ai perdu. J'ai perdu aussi toute ma musique, parce qu'il faut savoir que moi et la musique, c'est une grande histoire d'amour. Il se passe pas une seule journée où je n'écoute pas de la musique. Pour moi, c'est primordial. S'il n'y a pas de musique, la vie est trop triste. Enfin, c'est vous. Voilà, je suis comme ça, moi j'ai besoin de musique. J'en ai besoin. Vraiment besoin. C'est voilà, c'est comme ça. Et j'avais, enfin bref, avec cette histoire de PC, j'ai tout perdu et ça m'a anéanti. Bon, maintenant j'en rigole, de façon de parler, parce que ça me fait toujours autant chier de ne plus avoir les photos de mes filles, quoi. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça, hein, les PC, ça fait c'est des têtes de mule aussi, ceux là. Oh, purée. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On va arrêter de les souvenirs sur YouTube qui m'ont pourri. Bon, pour moi, c'est des trucs de merde, il y a des choses bien plus graves dans la vie, donc ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort, quoi. C'est pas méchant, hein. Justement, voilà. Parlant d'ordinateur, mon chéri, adorable comme il est. En plus, cette année, ça va faire 13 ans qu'on est ensemble. 13 ans. Soit ça va nous porter malheur, soit au contraire, ça va être la... Wouhou. Bon, bref. Donc, il m'a offert gentiment... Ouais, je l'ai reçu au mois d'octobre, mais normalement, c'était censé être un cadeau pour Noël. Une nouvelle tablette. Enfin, c'est plus un ordinateur, quoi. C'est un ordinateur tablette. Si. Du coup, je vais pouvoir refaire des lives. Même si les lives, ça m'intéresse plus vraiment. Parce que quoi, tout le monde en fait à longueur de journée. C'est des gens qui n'ont pas de vie, quoi. Tu les vois, tu vas sur leur chaîne, ils sont tout le temps en train de faire des lives. Et moi, à un moment donné, ça me saoule à un point inimaginable. Donc, du coup, je peux refaire des lives, mais je sais pas si j'en ferai parce que ça me saoule royal. Je regarde même plus les lives des autres parce que tu te fais chier royal. Enfin, royal. J'arrête pas de le dire ce mot. Je sais pas pourquoi.
Non, tu te fais chier, mais complètement, quoi. En plus, par moment, pendant une demi-heure, t'as des blancs, il se passe rien. T'entends même les anges passer, quoi. Enfin, ouais, non, les lives, moi, ça me saoule royal, mais après, si vous voulez que je fasse de live, y a pas de souci. Hein. Moi, si c'est pour vous faire plaisir, je le ferai avec plaisir. Mais ouais, du coup, mais après, je sais pas, parce que sur ma tablette, je l'ai jamais fait. Sur mon PC, je pouvais le faire sans souci. Avec mon ancienne tablette que mon chat m'a pété en s'asseyant dessus, ça c'est génial aussi. C'était une tablette sur Android et j'arrivais pas à faire des lives. Celle-là, elle est sur Windows 10, donc peut-être que je peux faire des lives. Faudrait que j'essaye, j'en sais rien. Faudrait que je fasse un test pour voir. Mais ouais, c'est pas du tout ma priorité. Mais pas du tout. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire pour 2018? Moi, je change pas mes habitudes. À chaque fois, tout le monde dit mes bonnes résolutions, gna 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 gna. Ah non, moi j'en ai pas de résolution. Hein. Je reste comme je suis. Et puis moi, de toute façon, je vis au jour le jour. Donc, ce qui se passe demain, je m'en fous complètement, quoi. Voilà. Donc, logiquement, cette vidéo-là, j'étais censée vous montrer mes créations du mois de décembre. Mais comme je le craignais et comme je vous l'avais dit, avec les fêtes de fin d'année, et ben, j'ai rien foutu. Donc, du coup, je n'ai rien à vous montrer. Alors, ce ne sera qu'une petite vidéo avec un peu de blabla. J'espère qu'il durera pas trop longtemps. Donc, parce que le mois dernier, j'ai un peu triché, du coup, parce que normalement, j'étais censée vous montrer mes créations du mois de novembre. Arrivé là, j'ai triché, je vous ai montré les créations du mois de décembre. Du début décembre, parce que la vidéo a été très longue arrivée. Donc là, je voulais pas refaire la même connerie. En plus que là, j'ai fait que deux créations pour l'instant, donc ça sert à rien. Donc ce mois-ci, il n'y aura pas de vidéo création. Faudra attendre le mois prochain. Voilà. Tout ce que je peux vous dire aussi, c'est que la prochaine vidéo, j'espère que je vais y arriver à la faire, parce que là, je sais pas comment je vais me démerder. C'est une réception, c'est une vidéo swap. C'est la première fois que je fais un swap avec une très talentueuse créatrice et je suis pressée de vous montrer ce qu'elle m'a offert parce que c'est. Je suis restée bouche bée tout au long de la vidéo. Sauf que le problème, c'est que ma vidéo, elle dure 1 heure. Donc je vais essayer de la raccourcir le plus possible. On verra bien. Donc excusez-moi. J'ai reçu son swap juste avant Noël, le jour d'avant. Non, je crois que j'ai reçu le 24 même. Le 23? Ou 24, je sais plus. Mais j'ai pu l'ouvrir que la semaine d'après. Alors comment vous dire que j'étais carrément sur les nerfs, ça faisait une semaine que j'avais le colis, que j'avais pas pu l'ouvrir. Alors, je vous raconte même pas que moi qui suis quelqu'un de très impatiente, j'ai galéré. Et bref, je vous raconte tout ça dans la vidéo swap. Donc j'espère pouvoir vous la poster là ce week-end. J'espère. On verra bien. Sinon j'ai encore la réception. Non, pas la réception. Qu'est-ce que je raconte? L'échange. Faut que je vous refasse encore un récapitulatif d'échange, mais cette fois-ci, ça sera le dernier. Et ce qui me restera sur les bras, j'avais dit que je le foutrais à la poubelle, mais en fait, non, il y a une personne qui m'a donné une super idée à laquelle je n'y avais pas du tout pensé. Et je me sens tellement conne de ne pas y avoir pensé. C'est ce qui va me rester dans la proposition d'échange, le foutre à la poubelle. Et ben, je vais aller juste à côté de chez moi, il y a un centre de loisirs pour les enfants. Logique. Et je vais tout leur donner. Ça sera beaucoup mieux que de foutre à la poubelle quand même. Après, je sais pas si ça leur intéressera, mais bon, ils se démerderont. Moi, je leur donne. Après, ils font ce qu'ils veulent avec. Voilà. Donc, merci à cette personne-là de m'avoir donné cette idée-là, parce que franchement, je me sens con de ne pas y avoir pensé. Pourtant, ça me paraît tellement logique de donner aux enfants, quoi. Voilà. Ouais, c'est ma bonne résolution de 2018. Donner aux enfants. Oh, putain, je vais mourir en live, ça va être génial, tiens. Ah, vivement que j'aille mieux. Je suis pas prête d'aller mieux parce que je suis contre les médicaments, je suis contre tous ces trucs-là. Moi, je déteste les médicaments, je déteste l'alcool, je déteste la cigarette, la drogue et tout, tralala. Ce n'est pas du tout pour moi. Tout le monde me force à boire de l'alcool. Non, non, non. Jamais de la vie. Jamais. Une fois, j'ai bu une gorgée, j'ai cru que j'allais vomir. Ah non, mais enfin bref, tout ce qui agit sur le corps, que ce soit en bien ou en mal, je n'en veux pas. Les médicaments, pour moi, c'est comme une drogue. Je vois des gens qui sont tout le temps en train de prendre des médocs. En même temps, c'est des hypochondriaques. J'aime pas ces gens-là, ça m'énerve. Ils sont tout le temps en train de se plaindre. Tout le temps chez le docteur. Moi, j'ai même plus de docteur. J'ai même plus de médecin traitant. Depuis que le mien est parti à la retraite il y a 2 ans, j'en ai plus. C'est pas bien. Mais mes filles, elles sont comme moi, elles sont jamais malades. À part vous, comme moi, voilà, des rhumes. Des rhumes. On s'en fout, ça passe à un moment donné. Ouais, on a les médicaments, moi non, c'est hors de question. Il faudrait vraiment que je sois pliée en quatre pour prendre juste un Efferalgan. Hein. Mais non, ça, non. Je suis chiante. C'est con, hein? Bah, c'est comme ça. Et voilà.
Je pars en cacahuète, je raconte tout et n'importe quoi, ça doit être la fièvre. Hein. Enfin, je me calme, c'est pas possible. Sinon, je sais plus ce que j'avais d'autre à vous dire, moi. J'ai pas pensé à noter, encore une fois. Me faire des vidéos préparées, moi, c'est pas mon délire. Il y en a qui préparent toujours leurs vidéos pour que ça soit bien au carré, bien net, bien précis. C'est lourd, sérieux. Non, moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien y aller du tac au tac, quoi. Je réfléchis pas, moi, je parle sans réfléchir. Ça se voit, non? Ça s'entend. C'est complètement débile. Ouais, non, moi, j'aime pas les vidéos préparées. C'est chiant, tu te fais chier. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Bon, non, allez, je vais couper court, hein, parce que je raconte que des conneries depuis tout à l'heure. Je vous souhaite encore une très bonne année 2018 avec plein de bonheur. Mes meilleurs voeux, tout simplement. Hein. On va pas chercher midi à 14h. Moi et les discours, je suis pas très douée pour ça. Mais ça vient du cœur, donc c'est l'essentiel. Ouais, bah non, ouais. Après, oui, j'ai encore d'autres choses à dire, mais je suis tête en l'air, j'oublie tout. Donc je sais plus. Je sais plus. Ça devait pas être très important. Donc c'est pas très grave. Bonne année, bonne santé, plein de bonheur, plein de joie, plein de gros bisous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye! C'est bon. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai plus rien d'autre à dire.